salut à tous les amis, c'est Pixels, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve sur SCP Secret Labotari. Alors c'est un jeu où en fait, comment je peux expliquer, en fait c'est un petit peu le système où en fait vous avez plusieurs équipes et vous avez des... Bah, en fait le, par exemple, ce que je peux vous dire, c'est spécial comme jeu par contre, c'est pas un SCP comme... Containment Breach. Containment Breach, vous devez sortir du complexe en tant que uniquement classe D et pas en tant que scientifique ou garde. Là, en fait, le but de jeu, c'est que quand vous êtes garde, vous devez protéger les classes D et les scientifiques. Et quand vous êtes insurrection du chaos, vous devez protéger les classes D, enfin les ramener hors du site, voilà. Et éliminer les scientifiques, ou alors du moins les neutres, ou les maîtriser, c'est-à-dire les neutraliser tant qu'ils n'ont pas d'armes ou quoi que ce soit. Mais enfin bref, les gardes, bon je pense que vous savez, la FIM, donc la FIM, je sais pas, je crois que c'est la fondation, enfin bref, on n'est pas les détails, voilà, la FIM, eux, doivent et faire exactement pareil que les gardes du site, mais doit en plus reconfiner les SCP. Donc vous voyez un peu le truc, c'est assez aussi compliqué comme bordel. Donc voilà. Donc là ce qu'on va faire, c'est pas un serveur de gameplay, c'est un serveur RP. Donc on va faire un serveur RP, mais faut qu'il y ait de la place. Là ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer une partie et on va pas perdre plus de temps et on va essayer d'être silencieux pour le moment. Pour l'instant on leur dit rien du tout, ok. Bon, allez, 3, 2, 1, allez c'est parti. En fait ils jouent. Ça y est. Bon les gars, vous êtes prêts? Yep, on fait quoi? Bonjour. 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 Le chef. On prend le chef. Ah bah oui. Je viens d'arriver en renfort, on m'a dit que vous avez besoin d'aide. On m'a dit que vous avez besoin d'aide, donc j'arrive. Chef, c'est vous qui donnez l'ordre. C'est pas normal, ça. Arrive, ça arrive derrière. Allez voir. C'est parti. Ouais, allez-y. C'est grave. On tire à vue. Bon, j'imagine qu'on tire à vue. Ah, collègue. Faut intervenir. Okay, faut intervenir tout de suite. Venez. Bon, on... D'habitude, je tourne en 60 FPS avec ce jeu-là. Attendez-nous, bon, bah, attendez-nous! Il y a tout le monde qui se fait buter, mais bon, c'est pas grave. Mais ce que je tiens à vous dire, monsieur, c'est que pour que vous ayez. Dès que vous la sortiez comme ça, c'est que vous avez des sérieux problèmes dans votre tête! Bon, ça y est, vous avez fini, les deux là! Je vous ferai un petit cours après. Oh! Là, clairement, ils auraient dû se faire ban. Parce que on ne doit pas te fermer. Ça va. Un peu stressé, mais ça va le faire, collègue. Ouais, bah, c'est toi le chef, j'ai envie de dire. Tu dois nous réconforter. Je suis hein. Moi, je m'y ai tombé. J'en ai marre de là, ces gens-là. Attends, je suis pas des réponses à ce genre de trucs. Suédois, notch de Minecraft. C'est qui gueule? Oula, regardez pas son visage. Regardez pas son visage. Regardez pas son visage. Alors, on va vous tuer. Parce que vous êtes nul. Vous êtes le dé qui coulomme. Ouh. Y'a que dé qui coulomme. Merde, les autres sont tous partis. Je ne pense pas que ça se coupe. Ouh. Ah, arrêtez de me coller. Regardez pas son visage. Vous pas. Quoi? Je l'ai même pas regardé. Est-ce que vous êtes encore en vie, Ah, mais je suis mort! What the fuck? Alors, vous voyez bien, c'est ça qui est compliqué. Il faut vraiment le bien jouer. Si c'est sûr que quelqu'un vous a regardé. 96 en gros, je suis désolé, c'est interconfiné. Il y avait des gens 49, parce qu'il serait génial. Je sais pas ce qui s'est passé. Putain. Là, je vais l'observer, parce que après, on peut le traquer. On est en plein. Parce que vu que je viens d'arriver, parce que j'ai relancé 4 fois ma partie. On est en plein enregistrement, donc louchement. J'ai pas suivi la partie. Voilà, ça devrait le faire. Mmh.
Il commence à faire nuit. C'est un peu tard. Que je tourne ça. Ma vie, vraiment. Genre, vraiment de la. Salut mec, Nicole. Moi je dis salut à tout le monde. Du coup, mec, j'ai le chapeau. Je voulais pas tuer le chaos devant moi, je voulais un peu discuter avec. Et j'avais mon gun en main, mais je voulais le ranger. Et quand je fais table. Bah, c'est dangereux parce qu'il est, il, arme, il va être à l'extérieur. Est-ce que ok, là il y a la FIM. Il y a des insurrections du chaos qui sont à AV. Tu sais, en AV zone. Sur site, on a un coup de bol. Et une reddition serait acceptée. Aidez-moi. En fait, il a voulu ranger son arme, négociation, les otages et tout ça. Il a voulu ranger son arme, il a tiré, du coup ça partit en couille, et les otages ils ont été tués. Je sais pas s'il voulait ranger son arme et qu'il y a un bug et du coup ça tire. Mais ça n'est pas un RP de ouf en plus, bon il m'a fini, je vais te ramener. Mais non, mais pas vous. RIP. Il fait que se balader lui, ce trou du cul. Waouh. Ah bah voilà. Regarde pas. Ça a déchiré. Il cherche le regard. Il va regarder qui, hein. Il a tendance à vouloir chercher le regard parce qu'il ne tue pas. Évidemment, il essaye de le jouer bien, je pense. C'est pas qu'il joue mal. Il le joue bien, mais il essaye du moins. C'est vrai qu'il est compliqué à jouer en RP. Ouais, deux si jamais on tombe dessus, ça aurait été bien. Franchement, il tombait sur ce SCP, ce serait pas mal. En fait, j'ai commencé en fait à la deuxième vague, donc il y a trois vagues. Bon, alors, comment vous allez, vous? Ah bah ça va, tranquille. Bah, ça va. Ça va, je suis crevé, j'ai mal de partout, tout va bien. T'inquiète, on te fout un coup de poing, t'inquiète. Ça jusqu'à même. Minuit, même voire 1h ou 2h du matin. Il y en a, ils sont encore debout jusqu'à là, mais après, ça s'arrête net. Quand vous avez atteint les 3h du matin, c'est net, il n'y a personne, nada, c'est plat. Il n'y a personne. Il faut y aller dans l'après-midi dans ce serveur pour du RP. Bonjour. Par contre, il faut bien jouer les gars. Puffy. Bonjour. Wesh. C'était des pauvres. On peut tenter aussi du Garry's Mod, c'est une bonne idée. Bon, là je laisse l'enregistrement, non, même mort, si c'est long. Parce que on a fait la. Enfin, j'ai commencé à la deuxième vague. Mais bon. Et là on peut laisser tourner. Alpha Warhead, emergency detonation. La bombe nucléaire. On a lancé la bombe en plein dans le site. C'est qui a activé la nuque? C'est l'automatique. C'est automatique. Automatique. Parle comme ça, je sais pas. Posez pas la question. Désolé, hein, je devais. Voilà. À mon avis, à la caméra, vous allez me voir, mais vous allez pas m'entendre parler. Donc, bien méchant. Là, vous allez voir à moitié. C'est incompréhensible ce jeu. Oh, le Sam. T'aurais pu reprendre un sort, lieutenant. Personne ne l'a regardé, il n'y a que lui. Tu vas prendre un sort. Il est plus censé bouger. Il est plus censé aller choper. Ouais, mais. Il y en a, ils savent pas jouer. Lui, il a pas piqué, lui. À peine il aurait gagné des points, vous allez dans le serveur de sport. Si vous jouez bien, bon, ça c'est un serveur RP, mais quand vous jouez dans d'autres serveurs, il y a des serveurs français, c'est juste du gameplay. Il va mourir parce que tous les chaos sont nus. Ça rappelle un bon film de cul, ça. Une blague, une meuf, je connais. Je veux pas que ce soit démonétisant, vous voyez, enfin, même si je gagne rien. Voilà, j'ai pas envie que j'aille à. Que des flammes, c'était fort. Explosion de la fondation. Y'a qui à l'intérieur? Qui est dépêché, vous, j'ai pas envie d'arrêter spot. Rien là. Ah ouais, on va peut-être
Ah non, victoire des PSD. Ah ouais. Insurrection du chaos. Bon, on va se retenter une dernière. On va se retenter une dernière. Et là, franchement, ce sera la dernière. Après, on mettra fin. Parce que là, elle a été un peu courte, je trouve. Je trouve qu'elle est un peu courte. Bon, après, bon, j'espère que je vais pas faire couper l'enregistrement en plein. Mais ce serait dommage, quoi. Très, très dommage. Tac, tac, tac. Maintenant, on va attendre un peu. Bon, là, je peux laisser tourner. On a fait notre vague. Mais après, on pourra en faire notre dernière vague. Et après, on va mettre fin. Regardez, là, on... Vraiment, c'était magique. J'adorais tous les chaos. J'en ai marre. NTF. Donc là, ce sont vraiment les interventions de haut niveau. C'est vrai que c'est le dernier. Ou alors, c'est les scientifiques armés. Je sais pas comment... Je sais pas quelle est cette unité-là. CP, genre démon. Ouais, j'avoue. Faut que je vois une partie selon avec un zéro. Peut-être un petit tuto pour comprendre le système du jeu pour ceux qui connaissent. S'il y en a, ils veulent juste jouer en gameplay. C'est parti, je vais être classe D. C'est parti. Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un ici? Ouais. Ah putain, merci. Quelqu'un peut m'ouvrir la porte? Je peux pas, c'est écrit confinement. Attends, j'essaie d'appuyer sur le truc. Moi, ça marche pas, mais moi, ma cellule là, c'est ouverte toute seule. Ça se trouve que tu vas rester ici. Comme un vieux con. Il y a des gens bizarres dans les cellules, mec. Oh merde. Il va me violer le cul. Viens ici. Oh putain, enfin. Putain, il nous ferme. Ah, mais merde. Mais vous êtes chelou. On voit rien. Ouais, quand c'est plus comme... Wow. Il y a du 206, on va faire, donc ça se peut qu'il soit là. Qu'il soit déconfiné. All biological substances must be removed in order to avoid destruction. Pourquoi il y a des classes D? Mais qu'est-ce que vous foutez là? Bonjour. Vous foutez quoi ici? Quand elles sont ouvertes et nous en barre. J'ai peut-être pas m'armer. Dis-moi qu'est-ce pas. Ah oh, bouge pas scientifique là, bougez pas. Bah t'as ouvert la porte, t'es malin toi. Vous avez ouvert la porte et du coup vous nous avez laissé une chance hein. C'est dommage. Là, dos, regardez la mur là. Non, oh, vous allez tous au même endroit là. Va avec l'autre, dépêche-toi parce que je pense que tu vas t'arriver des bricoles toi. Allez les gars, jette ton pistolet, je te vis de ramasser un pistolet là, jette-le. Voilà, les gars. Mais oh, il y a un autre scientifique là-bas. Putain, il s'est barré. Il y a un autre scientifique, fais gaffe. Ils vont avertir les gars. Donne-leur une carte. Vous avez une carte les gars? Donne-moi ta carte. Je joue pas encore avec nous mec. À la place de la carte, je vais vous donner des... Qu'est-ce qui nous a parlé? Qui c'est qui nous a parlé? Salut. Qu'est-ce qui nous parle? Si on peut nous expliquer qu'est-ce qui nous parle s'il vous plaît. On va vous expliquer, mais vous ne donnez rien en échange. C'est qui le chef On vous tuera pas, mais vous nous donnez expliquer d'abord. Alors, on vous explique, par contre, on vous donne. Ouais, allez-y, venez. Expliquez-nous. Allez. Vas-y. Attends, il me parle. Il me parle, de quoi? Fais pas le malin, mec, c'est pas parce que t'as... On va les attendre. Calez-vous contre les côtés. Mais j'ai pas d'armes, mec. Mais livrez vos armes, est-ce que... laissez partir. Putain, ça tire. Pourquoi on me tire dessus? J'avais aucune arme. Abattu. T'es mort. Oh, il a abattu celui-là qui avait fait la flèche. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est incroyable. Putain, on m'a tiré dessus, j'ai rien fait. Je dois faire ce mur. Oh, une pièce. Ok. Y'a une P90, Face au mur. Mais coupe-le si tu veux pas te faire tuer. Face au mur.
putain. Oh là 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 là. Garde, tenez. Faut en battre les hein. Garde. Oui, j'ai tes oreilles. Je peux me retourner, c'est bon. Remettez ça dans l'armurerie. Alors faites attention, c'est 079 qui a ouvert la porte de l'armurerie et nous a parlé du reste. Oh, bordel, j'ai pas de Danger. Light containment zone overall decontamination. C'est quoi ça? T-minus 10 minutes. Garde. Oui. 10 minutes. Moi j'ai des places, j'ai 3 places si vous voulez jouer. Avant le. On s'en fiche. C'est qui a fait tomber ses menottes? Qui a fait tomber ses menottes? Je sais pas. Bon, ben je regarde. Tu veux une pièce? Non. Merde. Moi ce que je veux c'est juste regarder toujours le sol. Tu veux une pièce toi? Tu veux une pièce? Eh mais t'es petit toi, dis donc. Ouais je suis petit. Ah qu'il est vachement petit. Ça va avec ma voix, c'est pas grave. Tu veux une pièce? Bon moi j'y vais, va. Non. Non, tu veux pas de pièce? Non. Ça là on peut. Oula, il se prit des balles lui. Ça doit être classe D. Il a vu que j'allais prendre la carte. Par contre, la marre de SCP 106 là, c'est pas normal. Et arrête de me suivre. Mais on veut sortir d'ici. Putain. Vas-y, le garde, il est. Qu'est-ce qu'on Putain, y'a plus on la bat. Carte, merde. Il s'est barré avec la carte. Vous voyez, quand on joue classe D. Ah, généralement, vous tombez parfois sur des gros cons qui veulent pas. Normalement, les scientifiques, ils sont censés nous aider. Et là, comme de par hasard. T'as pas. Une carte, un truc. Putain, on est obligé de les suivre. Hein. Wow. Les deux, vous rentrez, allez, les deux. Ok. Ok. Ah, avec le petit problème. Si j'étais toi, j'éviterais. Parce que là. Hein. Ouais, je suis d'accord avec vous, Miller. Hein. J'aurais bien aimé la ramasser, mais je crois que ses bras sont un petit peu courts. Non, mais au moins on en est. J'ai un peu mal au dos. J'ai voulu les acheter. J'ai un peu de mal à me faire. Je sais pas pourquoi il est aussi gros. Bon, par contre, les classes D, vous décalez du bouton s'il vous plaît. Vous avez quelque peu la. Quelque. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Bon, là, je pense que vous allez pas comprendre le but. Hein. Il y en a, ils vont dire, mais pourquoi il attaque pas? Bah, parce que c'est du RP. Là, c'est un serveur spécialement pour le RP. Ah, bah, moi, je me connais pas trop, docteur, vous savez. Je suis pas très bon au sein. Vous savez, prendre le docteur, il a. Par exemple, cet homme, j'aimerais l'examiner. Prenez ma main, monsieur. Ok, je vous la donne. Votre pouls est plutôt faible. Pouvez-vous simuler une toux? Toussez légèrement. Ça m'a l'air d'être assez grave. Je vais vous soigner, ne paniquez pas. Moi, tant que c'est pas un membre du personnel, il croyait que j'avais la pestilence. Il est tombé raide. Mais si on sortait tout de suite, le voilà maintenant soigné. Ah, vous l'avez guéri. Imaginez. Oui, bizarre. Docteur, suivez-nous. Un nouveau laboratoire, allez, avec des nouveaux. Là, j'ai pas le choix de le suivre. Vous savez, pouvoir me promener comme ça me convient parfaitement. Surtout qu'il y a encore de la pestilence. Il me semble que l'un des gardes aurait touché ce patient avant qu'il ne soit. À mon avis, je pense que le zombie ne va pas parler. Il peut que parler à lui. Lequel d'entre vous aurait menotté mon patient avant qu'il ne soit. Je l'ignore. Patient, es-tu. Parce que j'imagine que du coup, l'un de vous est en contact. Ah oui. J'ai pas de radio, donc à mon avis. Les gars. C'est tout, j'ai passé toute ma vie en SCP. Attends, c'est un zombie. Enfoiré. Ah ouais, je suis extrêmement rapide, je peux le suivre. C'est pas possible, je me prends toujours le dos. Tu m'achètes. Ouais. Ça fait un peu mal, là. Donc là, à mon avis, je vais pas pouvoir parler. Ah non, c'est une bonne idée. Non. Pourquoi vous cachez-vous? Vous serez malade. Quelques problèmes à la piste. La moitié du personnel est mort là-bas.
tenez. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Doyle? Il y a également le coffret, un peu comme Docteur. Oula, peut-être le mandat docteur. Docteur, on a vu une classe des malades par là-bas, au niveau de l'exit. On a besoin de votre aide, s'il vous plaît. J'arrive, oui, peut-être. Il est là-bas, la classe des malades. Ouah, il a échappé à la pétition! Oh! Il y a un groupe d'intérêt! Salut, comment ça va? Docteur, c'est les personnes qui sont infectées, c'est elle qu'on a. Bonjour, docteur. Je ne sens pourtant pas la pestilence avec lui. Ah, ça me l'air des masques à gaz. Par contre, nous, on sent la pestilence, c'est les classes D à plein nez. C'est le même discours que vient de me donner cette bonjour, docteur. Bonjour, docteur. Tu veux nous revenir? On n'a peut-être pas beaucoup m'entendre avec les voix des opérations. Bon, toi aussi, tu bouges plus. Comment ça, je il y a des coups de feu, il y a des coups de feu, c'est bizarre les coups de feu. Il y a le docteur à côté. J'aimerais en faire mon assistant pour le moment. Bah pour l'instant, il va face au mur, c'est tout ce que j'ai à dire. Vraiment? Attendez, quoi que bon, ouais, on va peut-être réfléchir. Docteur, attendez, attendez, j'ai vu une classe D. J'ai vu une classe D. Vous restez là. Bon, on va éviter d'aller là-bas, ah, je sais pas ce que tu fais là-bas, mais. Patience. Allez, on sort. Bonjour, docteur. Attendez, docteur. Docteur, allez là-dedans. Non, toi, tu reviens, toi. Ah, docteur, allez là-dedans. Non, allez là-dedans. Vous inquiétez pas. Vous essayez de m'en faire. Là, il y a des patients. Non, il y a des patients. Cette personne. Non, écoutez-moi, cette personne vous suit comme un chien. Elle veut votre danger. Cette personne n'est pas malade. En revanche, en rouge. Comme une odeur. Docteur. Silence. Ok. Vous voyez, docteur. Oui. Oh, il y a 96 dans le coin. Vous venez par ici. Encore cette heure. C'est terrifiant. Ouais. Mais à ma foi, c'est bon, on dirait que. Brave monsieur a fui mon auscultation, je pense qu'il doit être malade. Il faut que je le retrouve au plus vite avant qu'il ne fasse propager la maladie. Je vais vous aider, docteur. Ben il est parti. Oh, il y avait quelqu'un dedans. J'ai entendu ça. Oh, un petit. Non, merde. Il est très bien fait. Restez toute cette partie-là. Ok, il y a une instance. Tout seul. Pousse-toi. Poussez-vous. Commandant, poussez-vous. Poussez-vous. Allez, pense sur ce. Je te retrouverai en RP avec sans fou. À partir du moment où tu m'as attaqué, prime sur les ordures. Non. Bonsoir. Allez, j'étais tout seul, puis quand ils m'ont vu tout seul, ils m'ont averti. Allez, dépêchez-vous, je ferme. Oh là, c'est légendaire. Là, y a les... scientifique, venez. Je vais vous exfiltrer. Là, il y a la truc. J'ai exfiltré un scientifique vers la gueule. Gros, ma touche E, elle est en train de souffrir. Elle est. J'étais en train de butterflexique sur mon E, mec. Ouah, c'est énervé lui. Ah, les aubergines dans mon jeu. C'est du Shirai. Shirai, il est une femme. Oh my god. Attends, oui.
toujours en train d'enregistrer. Oui, oui, c'est l'heure que ça enregistre. Oui. Oh, la regarde pas, la regarde pas, mais il personne les trappe, non. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'un jour une personne avait une voix de femme, j'ai dit hey, eh, salut, gars. Il m'a dit quoi? Il m'a dit, je suis un mec, je fais quoi? Mais mec, c'est encore pire que les trappes! C'est encore pire que les trappes! Eh, hey, Atsuke? Bah, c'est une trappe. C'est autorisé d'esquiver 96, genre en faisant des. De l'esquiver, genre des gauches-droites, etc. Non, il y a que Pinot qu'on peut faire ça. Parce que Orange, il a fait ça à 96 en attendant qu'il se calme. Ah! Bah maintenant les gars, il a fini au tutoriel. C'est juste ça que je peux vous donner. Ok. Bon bah je vais me faire appeler. J'avais déjà lu cette position de 49 en tant que femme. Ouais. Ça va. Tutoriel. Ouais ouais. Sauf que c'est moi qui vais me faire appeler. Oh non. Non. Non, c'est pas toi. Non. Il est mort ou pas? Non. Non, non, toi t'as juste coupé. Vas-y, je vais espérer. Non, mais mec, si, je tournais pour. Gros, en fait, je faisais des tours dans la pièce, donc je sais pas si c'est moi. Ah, c'est un admin! Oh, c'est pas toi. Ok. 79, est-ce qu'il y a d'autres récipients qui étaient conçus? C'était un admin! Donc non, il peut les téléporter là! On aura notre prochaine vague. Et d'ici là, je pense que peut-être on pourrait faire la prochaine. Excusez-moi. Ça se voit des trop mecs, ça se voit des traumatisés par les traps, tu sais. C'était là, t'avais un bon feeling avec une personne. T'avais un bon feeling avec une personne de voix aiguë. T'avais un bon feeling avec une voix aiguë, t'as fait. Eh, t'es une meuf. Après, il s'en fout, hein, tes voix. Oui, non, voilà. Eh, le gars, genre, Mecha, il a pas une voix de ouf et. Respect. Eh, oh. Eh. Quoi? Eh. Je suis content. Excuse-moi, t'as pas ça. En fait, les verres clairs, je pense que c'est avec les amis. Alors, attends, c'est quoi, je vais te présenter quelqu'un qui a une voix très aiguë, tu vas venir. Non, non, mais tu veux pas prendre, mais tu veux pas prendre. Bon, après, non, pas toi, tu veux pas prendre. Ouais, mais ça va. Moi, je dis, mais qu'est-ce déjà, on a du mal à la reconnaître, quoi. Oui, c'est vrai. Alors moi je peux faire des voix de Loli, voilà, si ça peut si ça peut intéresser cette personne. J'ai usé de d'énergie pour la charge. C'est quoi des voix de Loli? Loli ça tue. Bah oui, bah ça va. En gros c'est les meufs. Ah, les injections du chaos. Allez, voilà. Salut. C'est parti, mon cher. Vous avez besoin de vous faire des armes lourdes. Là on voit que c'est à 30 FPS minimum. C'est sûr et certain. Faut donner un gros coup dedans. Eh mec, j'ai une O5, on peut faire péter le site. Oh vas-y, viens, viens, viens. Vas-y, je vais activer la nuke. Ah, je vais activer avoir une O5. Je vais les suivre. Si jamais... Je suis les gars. Faut aller l'activer. On va faire péter cet endroit d'œil. Tu m'entends? Ouais. Ah d'accord. Ah ok d'accord, bon bah il n'y a pas besoin en fait. Il va peut-être s'activer, je pense. C'est peut-être pour ça qu'il disait qu'il en avait pas besoin. C'est vous qui avez activé? Non. Qui est le con qui vient d'appuyer? On descend. Putain! Je peux tuer nos hommes, chef? Il a envie de me buter, mais pas maintenant. Je peux tuer nos hommes? Non. Docteur. Il a envie de me buter dès le début, chef. Il y a le docteur. Wow! J'ai croisé nombreux hommes malades dans cette formation.
Ah oui. J'ai peur que cela se soit propagé envers vous, voyez-vous. J'aimerais donc ausculter certains de vos hommes pour éviter. Tu es en premier, comme moi je viens d'arriver, donc je suis le moins contaminé. Bah, qui est le plus ancien? Vous? Bah, c'est lui. Hein? Mais prenez la main. Plus ancien? Bon, bah, allez-y. C'est Similintu. Ah, vous avez l'air malade. Je suis pas malade. Vous avez une sorte de protection sur votre nez, comme vos collègues. J'espère que ça ne s'est pas propagé. Bon, tout va bien, je vais vous soigner. Paniquez pas. Et je suis comme de par hasard. Un PSD, puis une chaos. Ils ont la cachette facile. Comme de par hasard. Putain, j'en joue encore un zombie de mes couilles. C'est pas possible, ça. Ne vous inquiétez pas, docteur, ça. À croire qu'on est malade partout. Comme de par hasard, c'est moi encore. On a essayé de me tuer. J'ai juste dit, mais non, je suis pas malade. Ah, si. Vous êtes le chef. Oui, oui, c'est ça. Vous avez donc sûrement été en contact avec votre recrue. Non, absolument pas, étant donné que le camion, j'étais à l'avant du camion. Voyez-vous? Ah, vous mentez, vous étiez à côté de lui, vous étiez assis à côté de lui. Un cake. De toute façon, elle va exploser. Vous allez voler. Je n'ai pas choisi de voir votre main. Non, j'étais assis à côté de lui. De toute façon, j'étais insurrectionnaire. Donnez-moi votre main. Si c'est la film qui gagne, on a perdu. Si c'est les CP qui gagnent. Bon. Ça dépend si c'est mon photo pas trop, mais vu qu'on m'a niqué, vu qu'il l'a niqué, non, il faut que ce soit Class B ou nous qui gagne. Bon, voilà. Je gagne. Pourquoi je gagne. Pourquoi je ne suis pas malade? Non. C'est clair, moi aussi j'étais pas malade. C'est à cause de mon masque, j'étais asthmatique. Revenez par ici. Regarde. Moi je dis c'est de l'acharnement. Oh, méchant. Alors soit vous vous alliez avec moi. Shirai, tu t'acharnes sur les. Tu t'acharnes sur les chaos là. N'importe quoi. Allez les soigner eux plutôt. C'est de l'acharnement. Je ne sais pas. Bonjour 49. Bonjour 49. Bonjour docteur. Non, nous n'avons pas la fonction de test. Alors depuis la dernière fois, vous avez trouvé d'autres patients? Oui, comme vous avez pu le voir, ils avaient aussi pestilence. J'avais pas la pestilence. Alors moi ça va pas être possible, jeu, docteur, sans respecter. Peut-être plus tard, mais j'ai juste une question à vous demander. Est-ce qu'il y a des gardes qui faisaient partie, le fameux garde qui faisait partie de la patients? Docteur, vous me direz si vous l'examinez avec les patients. Gaz, je crois. Négatif. Ça devient énervant. Bah, non, bon. Docteur, j'ai vu. Alors docteur, je suis vraiment désolé. Moi non plus, je déteste ça. Ça fait vraiment très très mal actuellement. Mon oreille interne est décédée. Alors, je vais me laisser présenter si vous me soignez pas, par contre. Bien, si je vois que vous êtes malade, je n'aurai d'autre choix que de vous soigner, bien évidemment. Ah, une seule condition, que vous me laissez dire un dernier mot, d'accord? Bien, bonjour. Non, il y aura pas. Donnez-moi votre main. Ne vous inquiétez pas, j'ai un plan. J'ai un monsieur. Plan. Parce que là, je suis en train de glisser. On lui dit. De quoi? Simuler une toux. On lui dit quand on a exfiltré la personne qui a touché. Encore une fois. Laissez-moi réfléchir un instant. Ah, il est vraiment malade. Très malade. Ah, ça va alors. Moi, je dis, il est malade. En revanche, ces hommes se trouvaient dans le fond, se cachent. Ils voulaient vous examiner? Non. Putain, il le trouve pas malade. Faut vraiment bien simuler la toux. Attends. Je l'apprécie bien. C'est pas. Si la prochaine fois, j'ai qu'à faire un gros. Voilà, comme ça. Là, il va dire ah ouais. Et imaginez, je tousse comme ça. Puis il me dit non, vous avez pas la pistolet. Vous avez juste un gros rhume. Là, je vais dire pardon. Attends, y a un assaut qui va être lancé. Y a un assaut qui va être lancé. Un assaut qui va être lancé! Attaquez, mais non! Au revoir, entité! Sérieux, tu es par un lieutenant? Elle dit, mais en petit, elle a vu qu'elle s'était trompée. Là, ça se trouve. Ça fait du crochet pour avoir plus de coups. On a perdu. On va leur avouer au moment du décompte. Au moment du décompte, on va avouer. On va avouer ça. J'ai tout filmé!
Salut les gars. Ce qui serait marrant à faire, c'est avec Aaron. Je suis désolé. Est-ce que je peux parler deux minutes, juste vite fait? Vite fait. Alors bon, j'ai pas pu se le dire avant, mais j'étais en plein rec pour une vidéo YouTube. Alors vous allez passer sur ma vidéo YouTube. Ouais. Non mais nickel. Abonnez-vous à Cobra sur internet. Et du coup, le chaos, par un lieutenant. Le chaos en 1v4 qui lâche un ouais, y a, tu fais pas de fier RP et tout, gros con, genre what the fuck. Bon, je vais vous laisser, les gars. Parle. Bonne soirée. Bah, bidou. Les bisous. Ah, parfait. C'était cool. Ça leur a fait, dès que je suis là, je leur ai fait, dès que je leur ai donné la nouvelle, ça leur a fait plaisir. C'est cool. Il faut souvent filmer du RP parce qu'on n'en voit pas souvent du RP sur SCP, Secret de la Montagne. Ça, c'est direct. Là, ça leur a fait plaisir. Et je pense qu'on en fera d'autres, c'est sûr et certain. D'autres, il y aura un best-of si on en fait plusieurs fois les meilleurs moments. Et je pense que ça peut vraiment être super sympa, je trouve. Bon, les amis, on va se laisser là, parce que je pense que j'ai fait de grosses minutes. Il y a énormément de temps de montage à faire. Je vais essayer... Bon, je pense que le montage, je vais le faire soit ce soir, soit demain. Et je pense que demain soir, je vais être plus tranquille. J'aurai le temps, et je pense que ce sera bien. Et la semaine prochaine, il y aura une prochaine vidéo de construction Minecraft qui va arriver. Donc ça va être super cool, vous allez voir. Je n'en dirai pas plus de la maison que j'ai construite avec d'énormes détails. Mouah, succulent. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, je sais pas, envoyer du lourd pour si vous en voulez d'autres. Parce que tous les jeudis, c'est du multigaming. Normalement, c'est censé être mon frère, mais le jeudi, c'est un peu de tout. Ça peut être, par exemple, aussi du Mario Sunshine, non, je veux pas trop. Ça peut être du Minecraft, ça peut être un peu de tout, hein. Le jeudi, c'est sûr. Le jeudi, c'est un peu de tout. Et le lundi, c'est... Enfin, le lundi... Vous m'avez compris, quand je dis le jeudi et lundi, c'est les temps de record. Les temps de record, par exemple, le lundi, j'ai mon planning juste là. Hein. J'ai mon planning en haut, mais je peux vous le montrer aussi dans ma vidéo. Directement dans l'écran, hein, ce sera mieux. Alors, le lundi, je record, mais le mercredi, la vidéo, elle est publiée. Donc, c'est une publication vidéo programmée. Donc, prog, elle est programmée pour telle et telle heure ou telle et telle date. Et là, je record aujourd'hui, donc on est jeudi. Et vendredi, normalement, je suis censé la programmer. Donc, alors, programmer n'est pas obligatoire. Le vendredi, je peux la mettre, la monter ce soir ou la monter demain et la mettre en ligne directement. Ou la monter ce soir et la mettre en ligne demain. Comme ça, ça me laisse... En fait, c'est un week-end tranquille, vous voyez. Donc, voilà. Donc, voilà, je crois que j'ai fait un petit peu les frais pour aujourd'hui. Alors, sur ce, on se dit à la prochaine. Donc, à mercredi. Enfin, mercredi, vous verrez mercredi pour l'épisode 4 de Mario Sunshine. Ça avance tout doucement mais sûrement. Et je pense qu'on va aller faire un autre monde de Mario Sunshine. Parce que le Yoshi, faut le débloquer, je pense. Ailleurs, mais pas au monde du Port Rico. Donc on va aller ailleurs. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Sur ce, on se dit à mercredi pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.